Ça a été une victoire qui a été longue à se dessiner. Je pense qu'on a beaucoup dominé encore. On a donné très 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 peu d'occasions à l'adversaire. Et puis malheureusement, sur une seule, je pense, occasion, ils ont eu un penalty. C'est dommage parce que jusque-là et durant tout le match, on avait bien défendu. Néanmoins, bon voilà, je pense qu'on a quand même, sur l'ensemble du match, dominé quasiment tout le match. On a eu des opportunités de marquer, on n'a pas réussi, par maladresse et parfois par manque de chance. On sait que c'est difficile pour nous de marquer, mais ce qui est surtout important, et ce qui est à mes yeux le plus important, c'est que j'ai toujours dit que je voulais avoir une équipe avec de la personnalité, qui impose son jeu, et cette équipe, elle sait le faire jusqu'à maintenant. Mais c'est aussi une équipe qui sait réagir avec personnalité quand les événements ils sont pas pour nous, quand on prend un but comme la semaine dernière à Mohamedia, quand on prend un but là, on a toujours su réagir. Et je trouve qu'on est dans le bon chemin, on a encore du travail. Mais je tiens à féliciter les joueurs dans un premier temps parce que c'est eux qui sont les acteurs du match. Je tiens à féliciter aussi tous ceux qui travaillent avec moi au quotidien, le staff, la direction du club. Et surtout, je pense qu'aujourd'hui, les deux points, le deuxième but qu'on marque, c'est surtout parce qu'on a les supporters qui sont derrière et ils ont été fantastiques ce soir. On a un public fantastique et ils ont fait le rôle de 12e homme. Ils ont poussé les joueurs et je pense que cette victoire, elle leur revient aussi. Voilà. Il y a toujours, quand on joue un match, même que ce soit Safi ou Mohamed Jaou ou aujourd'hui, il y a toujours un peu de pression parce qu'on a des ambitions. On veut rester dans le groupe de tête. On y est depuis le début de saison et on voulait. Maintenant, on avait aussi un peu de frustration sur les deux derniers matchs nuls parce que c'est des matchs qu'on aurait, hormis Safi, je pense que le match est équilibré et puis on était trois jours après le retour de Conakry. Mais contre Mohamedia, c'est pas normal qu'on revienne pas avec les trois points. Donc on s'était mis un peu en difficulté. Néanmoins, je leur avais dit que si on faisait un nul à l'extérieur et on gagnait à la maison, c'était une bonne moyenne. Donc on a réussi, je ne vais pas dire à rattraper le coup parce qu'on a quand même perdu 2 points, mais c'est vrai qu'il y avait un peu de... Mais il l'aura tout le temps, hein, de toute façon, parce qu'à partir du moment où on a des ambitions, on doit être régulier dans la compétition. وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي